What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos de l'iPhone 6. Je vais vous montrer donc sur l'écran des images qui ont été leakées plutôt. Alors pour l'instant rien n'a été officiel encore par Apple, mais les images sont franchement, elles sont plutôt révélatrices. C'est-à-dire que ce sont des images à mon avis qui risquent d'être sous quelques jours, être rendues en fait officielles par Apple, tout ça. Et puis voilà, puis bon, en fait ça, ces images là elles représentent exactement ce qu'a dit en fait Apple à propos, et eh bien que en fin d'année on va retrouver deux nouveaux iPhone 6, c'est à dire qu'il y aura deux versions différentes. Ce qui va changer, alors pour l'instant au niveau des caractéristiques on n'en sait rien, mais on sait juste que la taille de l'écran ne sera pas la même. Il y en a un en gros qui restera à 4,7 pouces et l'autre qui sera beaucoup plus gros. C'est à dire que voilà, vous avez finalement le choix entre rester avec une taille d'iPhone normale, c'est à dire un peu comme celui du 5S, sauf qu'il sera un peu plus grand l'écran. Et d'ailleurs au passage en fait c'est pas que le smartphone sera un peu plus grand, c'est juste en fait au niveau de la place de l'écran qui sera plus grande. Si vous remarquez sur les images tout ça, vous remarquez qu'en fait les couloirs en fait, en fait l'écran il sera plus grand sur votre iPhone, et les bordures seront beaucoup plus fins. Donc c'est ça en fait qui va faire la différence sur le petit iPhone 6. Par contre sur le gros iPhone 6, là il y a une vraie évolution qui en fait à laquelle c'est le smartphone en lui-même qui est beaucoup plus gros. Donc c'est un petit truc quand même qu'il faut prendre en connaissance, parce que voilà, c'est pas la première version, c'est-à-dire la version normale de l'iPhone 6 aura quasiment la même taille que celui par exemple du 5S. Donc ça c'est quelque chose quand même à savoir, alors que celui, la deuxième version de l'iPhone 6 avec un un bien plus gros écran, là c'est vrai que le smartphone en lui-même sera beaucoup plus gros. Après au niveau des caractéristiques, ça pour l'instant on n'en sait rien, il y a beaucoup de rumeurs, peut-être que je vous le dirai en vidéo, mais tout ce qui est rumeur je vous le dis de toute façon. Donc je vous ai montré sur l'écran donc des images normalement d'iPhone 6 qui sont à mon avis des vraies images, parce que ça représente exactement ce qu'a dit Apple. Et au passage, donc l'écran, comme j'ai dit, il sera plus grand et il va se rapprocher beaucoup plus donc des extrémités aussi. Par exemple, au niveau du bouton Home, le bouton Home en fait qui sera vraiment à l'encontre en fait de l'écran, parce que si vous voulez, Apple ils ont choisi de vu qu'ils veulent grandir leur écran, ils ont voulu l'iPhone 6 de base garder la même taille quasiment du smartphone, et donc forcément ils ont pris plus de place sur le smartphone en lui-même sans grandir le smartphone, et forcément on va dire que le smartphone il est un peu plus serré quoi, c'est-à-dire les touches, voilà, la touche Home sera un peu plus proche de l'écran, mais voilà, il n'y a pas de choses spéciales. S'il faut savoir aussi une nouvelle information, c'est qu'il y aura deux flashs sur l'appareil normalement, donc ça sera un double flash, donc ça risque d'être plutôt pas mal. Honnêtement là comme ça je pourrais pas trop vous dire, peut-être après ça reste à voir avec dans le futur, je sais pas du tout comment ça va être présenté. Ça, pour l'instant je vais pas trop en parler, parce qu'on a pu voir un peu Google qui présente une sorte de 3 dimensions grâce à le fait d'avoir plusieurs caméras. Peut-être là il y aura plusieurs caméras, on ne sait pas pour l'instant, je pense pas, mais voilà, en tout cas il y a deux flashs, et on va dire que le flash en lui-même il sera présenté différent que sur l'iPhone 5S. Donc c'est-à-dire que voilà, ce sera un peu différent au niveau de l'ergonomie, enfin au niveau au niveau de l'image de l'iPhone. Ça sera un peu il y aura un petit changement. Pour l'instant on n'a pas plus d'infos. Regardez bien les images, parce que c'est vrai que ce sont des images à mon avis qui ont été leakées, qui sont des vraies images. Pour l'instant on n'a pas confirmation, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'en fin d'année nous aurons bien sûr date de sortie donc de ces deux iPhone 6. Ça fait bizarre de dire deux iPhone 6, mais voilà, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Si vous voulez continuer à suivre toutes mes infos à propos de l'iPhone 6, restez connectés sur ma chaîne. Et puis on se retrouve très prochainement. Voilà, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Merci à tous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.